Quand vous revenez de votre séance de ski en classique, après il faut nettoyer les skis avant de les remettre dans la voiture. Je vais vous expliquer sur un ski farté au clister, mais c'est exactement la même chose sur un ski farté à la poussette. Donc vous prenez une petite raclette qui est souvent fournie avec les tubes de clister, et vous passez d'un côté à l'autre du ski pour dégrossir dans un premier temps. Vous pouvez le poser sur un carton ou dans un chiffon. Vous faites ça de l'autre côté. Voilà. Souvent, les raclettes qui sont fournies, il y a aussi pour faire la rainure. Vous pouvez en profiter pour bien passer dans la rainure. Une fois que vous avez dégrossi, vous prenez un cleaner, un spray. Et vous en mettez bien sur toute la zone. Le mieux, c'est de laisser un petit peu agir. Quelques secondes pour bien qu'il s'imprègne. Et ensuite, vous repassez avec un chiffon propre par-dessus et aussi bien sur les champs. Car souvent, c'est là que ça reste, sur les champs. Si vous voyez que ça reste un peu comme là, vous pouvez refaire un deuxième passage avec votre spray. Si c'est pas en spray, vous pouvez le mettre directement dans un chiffon. Pareil, pensez à bien frotter, on n'oublie pas les champs. Et voilà. Le tour est joué.